et ça fait froid dans le dos. Je vous parle, je vous dis la vérité, ça fait froid dans le dos ce que j'ai appris. Les amis, je me réjouis jamais, 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 jamais du malheur de quelqu'un. Même mon pire ennemi, je me réjouirai jamais de son malheur. Dans la vie, avant d'inventer des histoires aux autres, bah c'est mieux de balayer devant sa porte. Surtout quand on n'a pas les fesses propres. J'ai jamais pris la parole à ce sujet parce que je peux pas, parce que moi j'ai entamé des grosses démarches qui prennent un peu de temps. Mais vous inquiétez pas, ça va pas se finir comme ça. Aujourd'hui ça fait 4 mois. 4 mois, toujours rien. Toujours rien. J'ai été sali devant la France entière, mais en ce qui me concerne, toujours rien. J'ai été sali, ça a été dur de me relever, aujourd'hui je suis debout. Au final, je vous explique avec le recul, ben, ça m'a rendu plus fort. Mais ce qui arrive là, par contre, c'est avec des vrais faits, genre. Genre, c'est... Je vais même pas m'en mêler tellement c'est des dingueries. Et je vais même pas m'en mêler tellement c'est des dingueries. Croyez-moi que si je parle là aujourd'hui un petit peu... C'est que je parle pas pour rien. Je prendrai pas le risque de parler pour rien. Genre, moi, j'ai parlé avec Will. Et ça fait froid dans le dos. Je vous parle, je vous dis la vérité. Ça fait froid dans le dos ce que j'ai appris. Tout va sortir. Hein. Mais ça va pas être comme avec moi. Il y a une vidéo, il y a pas une vidéo. Il y a une victime, il y a pas une victime. Ça va pas être comme moi. Moi, ça a été que du vent. Du vent de A à Z qui m'a sali, qui m'a enfoncé, qui m'a détruit, ma famille, mes proches, tout le monde. Tu vois, c'était du vent, du vent, du vent. Là, ça va être des vrais trucs, parce que j'ai vu de mes yeux. Tu vois? Je pense que... il aurait mieux fallu rester dans son coin tranquille. Quand on a fait des choses comme ça aussi graves dans sa vie, je pense que c'est mieux de rester tranquille dans son coin. Je vous le dis. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai du recul. Je vous explique un truc. En France... Il y a une vraie justice, genre. Il y a des mecs qui payent pas leur pension alimentaire, la police vient les chercher chez eux. Il y a des mecs qui se font attraper avec un pog, ils vont les faire des descentes chez eux à 6h du matin. Moi, avec les accusations graves que j'ai eues contre moi, après 4 mois, toujours rien. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin, à un moment donné, il faut relativiser. Moi, je vais être transparent avec vous, quelque chose que je vais vous dire. Il y a pas longtemps, j'ai eu le commissariat... du 8e à Paris, là où j'ai porté plainte, au téléphone. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'aimerais savoir s'il y a une enquête en cours contre moi, ou des plaintes, ou quelque chose, parce que je suis pas au courant. Et il m'a répondu tout simplement. Ils m'ont répondu à 98% non, il n'y a rien, parce que vous, bah, vous serez déjà au courant. On a vos coordonnées, on a vos adresses, on a tout, donc vous serez déjà au courant. Ils m'ont dit donc non, non, vous inquiétez pas, sinon vous aurez déjà été au courant. Donc voilà, je vous le dis. Je dis oui, mais dans certains médias, quand même super important, c'est sorti ici, c'est sorti ça. Ils m'ont dit oui, mais n'écoutez pas les médias parce que c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est nous. J'ai dit ok. Donc voilà, je vous donne les nouvelles un peu de ce qui se passe. Mais je tiens quand même aussi à préciser, pour les personnes qui vont toujours regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, même s'il y avait des plaintes, même s'il y avait des enquêtes ou ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que la personne n'est coupable non plus. Il faut bien le mettre dans sa tête. Sur les réseaux sociaux, personne ne respecte la présomption d'innocence. Moi, personne n'a respecté alors qu'il n'y avait rien, tu vois. Mais ça serait bien de le penser peut-être pour les prochaines personnes, parce que ça détruit des gens. Hein. Bon, les amis, je vous aime. Là, j'ai du boulot. Je vous embrasse.